dehors, hein. J'ai failli m'envoler, je vous dis la vérité. En tout cas, bienvenue aux auditeurs sur Flyweb Tropical, sur mon émission quotidienne comme chaque mercredi de 17h à 19h. Donc, Campé Afro-Caraïbes. Nous sommes bien accompagnés ce soir. Nous allons recevoir donc, Darius Denon en interview. Donc, un très bon artiste. Hein. Tout le monde connaît Darius Denon. Tout à l'heure, je vais mettre 2-3 morceaux de lui, histoire que de vous rappeler un petit peu ses classiques. Et aussi avec Bod Gilbert en interview. Et nous revenons dans pas très longtemps, le temps de vous laisser en musique avec... c'était quoi le premier titre que j'avais mis? Ah oui, Harry la rivière. Et on revient dans quelques instants, tout de suite. Pour pas qu'à toucher,
Je t'emmène là où le mal n'existe pas. Je t'emmène.
Plaisir de te recevoir. C'est vrai, ouais, bienvenue. C'est un plaisir d'être avec toi aussi, ouais. Ah, bienvenue sur Flyweb Tropical. Ah. Au bout de, je sais pas combien de fois on s'est vu, Bod. Je crois qu'on a dû se voir au moins une quinzaine de fois. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, je disais tout à l'heure sur mon Facebook Live, tu vas rigoler, c'est comme une première fois. C'est vrai. C'est comme ma première amour, toi et moi. C'est bon. C'est comme notre premier amour, toi et moi. Pourquoi j'ai eu l'impression que c'est comme un premier amour, même si on s'est déjà rencontré auparavant en interview. Oui. Mais j'ai comme une impression que c'est une première fois aujourd'hui. Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que là, t'es chez moi, en fait. Ah, je me sens vraiment chez moi. Chez toi, et ouais, je me sens vrai. Bien, ben, Flyweb. Je suis vachement heureux d'être là. Tu sais, je te connais. Super fille, décontractée, le cœur, bon cœur, tout ça. Tu connais déjà la maison. Mais oui, c'est super. Bon, je connais... Le patron. Francis. Non, le... directeur d'antenne. Directeur d'antenne. Directeur Francis, d'antenne. Génial. Ouais, je connais. Donc, voilà. Ouais. C'est bien. Oui, qu'est-ce c'est... que je voulais savoir de toi? Je parce sais que pas. Les auditeurs, ils vont vouloir savoir de toi. Eh bien, dis-moi tout. Dis-nous exactement à quel âge tu as commencé à pousser ta première note. Ta toute première note, je pense à l'âge de 4-5 ans. Hein, parce 4-5 que j'imitais, ans. J'imitais déjà. Les chanteurs américains, tu vois. Ah, c'est qui? Mais oui, Percy Sledge, toute la bande, tu vois. Qui ça? Yesterday, non, Percy Sledge. When a man loves a woman. C'est des chansons comme ça qui me plaisaient, tu vois. C'était très, très américain. Donc, t'as commencé presque au berceau, en fait. Hein? J'ai commencé parce que aussi, en Martinique, je suis du Robert. Ouais. Et il y avait avant la Perfecta, il y avait... J'oublie le nom. C'est tellement vieux, c'est tellement ancien. Donc, j'avais l'habitude de voir les groupes jouer. Donc, j'essaie de me voir à travers ça, tu vois. Tu essaies de te voir à travers ça. Ah oui. Moi, j'ai toujours dit ça, le chanteur. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, c'est ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, oui. Depuis ton plus jeune âge. Ah, ouais, Et qu'est-ce que les parents disaient? Non. À l'époque. Au départ, chanter, c'était plus facile parce que tu avais la voix, tu chantes. Mais je voulais faire la trompette à un moment. D'abord. Donc, tu voulais d'abord être musicien. Musicien. Parce qu'au Robert, il y a une école de musique à l'école. On est assez pointu là-dessus. Mm-hmm. Et ma mère m'a dit, ah, la trompette, tu vas avoir les grosses machins castagnettes. Là, c'est pas bon. Alors, j'ai dit une guitare. Elle m'a dit, bon, quand tu auras tes examens, plus j'avais des examens, moins j'avais de guitare. Alors, j'ai acheté l'harmonica chez Horner, je me rappelle, c'est vieux. Et j'ai appris à jouer l'harmonica tout seul aussi, tu vois. Ah ouais, mais j'aimais la musique. En fait, t'as toujours été un toujours plus ou moins... Est-ce que t'as toujours été autodidacte ou bien la musique, tu l'as appris, t'as déjà été en école? J'ai appris, après que c'est quand je suis arrivé en France, en tant qu'infirmier, j'ai dit que je voulais faire la musicothérapie. D'accord. Et il fallait aller à Lyon, il y avait des petits soucis. Et à ce moment-là, on m'a donné des cours, on m'a payé des cours de guitare, d'accord, des cours de piano et des cours de chant. Tu te rends compte? Ah oui, c'est bien. Tu vois, Et t'avais quel âge à peu près à cet âge-là quand on a commencé à payer des cours? À l'hôpital, j'ai commencé, j'avais 23 ans. Une vingtaine d'années. D'années. Et les parents, ils validaient forcément. Comment? Les parents, ils validaient parce que tu étais déjà un bon élève. Tu étais déjà en France. Donc je suis parti comme. L'histoire, c'est que. Quand j'ai vu que rien n'allait, que ça prenait la tête, j'avais fait concours d'infirmier à Colson. Ouais. Et là, à l'époque, je le dis parce que c'était fait... En fait moi aussi, j'ai gens, fait le concours. Pour les gens qui étaient déjà en poste, qui n'avaient pas le diplôme, mais étaient en poste. D'accord. Je ne savais pas. Donc, s'il y avait 5 postes, eh ben, toi, tu arrivais, il fallait avoir beaucoup de chance pour l'avoir. Alors, on m'a dit que j'avais pas été reçu, mais je n'avais pas les notes, je n'avais rien du tout, tu vois. Mm-hmm. Et ça me prend la tête. Donc, j'ai fait un devancement d'appel à l'armée. Je me suis même rajouté 3 ans, mais je ne sais pas que c'est 3 ans. Ah oui. Je suis parti, mais un an après, j'ai dit bon, je démissionne.
T'as démissionné. J'ai démissionné. T'as déjà menti. C'est-à-dire que j'ai demandé à faire un stage. Et après, hop, un copain qui était là-bas m'a dit, bon, mais il y a un examen de pour t'infirmier. Alors, j'ai dit, bon, t'as là, je vais le faire. C'est toi, psy. J'aimais ça. Je voulais faire un métier assez relax, où la parole était libre, on pouvait, tu vois, assez cool. Toujours auprès des gens, Et, là, j'ai eu ça. Et là, j'associe très bien le métier d'infirmier psy et puis la musique, parce que tu as toujours cette relation avec les gens, tu donnes, tu reçois. C'est vrai, hein. D'ailleurs, regarde même moi, hein, qui étais aussi ancienne infirmière, et regarde où je me retrouve. Tu as peut-être pas tort, hein. T'as même 100% raison. Tu sais quoi, le temps que ton public, tes fans viennent sur le Facebook Live parce qu'on a démarré. T'es connecté, on est en Facebook Live, je te rassure. Oui, donc, le temps que tes fans y viennent, que Monsieur Bod y travaille, qu'ils préviennent tout le monde et aussi que Darius arrive parce que Darius ne devrait pas aussi tarder. Ouais. On va écouter Ne me quitte pas de Jacques Brel. Jacques non, Brel. Je ne te quittais pas. Mais il a été repris par il a été repris par une haïtienne aussi qui s'appelle Rosalie d'Haïti. Donc elle a gagné plusieurs concours de chant. Mm-hmm. Elle chante extrêmement bien et on revient dans quelques instants toujours avec Bod. Oui. À tout de suite. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublie le temps, tes malentendus. Le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures, qui tu es parfois. À coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai tes perles de pluie. De pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, 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 je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il apparaît-il était brûlé, donnant plus de blé que meilleur avril. Et quand vient le soir, le ciel flamboie, le rouge.
je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bod Gilbert. Ah, je suis Bod Gilbert. Bod Gilbert. Bod Gilbert, oui. Je suis en train de faire quelque chose là, tu sais. Ouais, c'est quoi? Je suis en train de. Arranger ton téléphone. De me connecter. Arranger ton téléphone. Ouais, mais c'est. C'est ça. Compliqué. Technicien, veux-moi donner un coup de main. J'espère que vous êtes pas en. J'espère que le Facebook Live, tout d'un coup, il va pas se mettre à se déclencher parce qu'on aura vu tout ce que tu fais. Excusez-moi, nous les auditeurs de Flyway Tropical, nous sommes toujours en direct avec Bod qui essaie de faire tenir son téléphone. Alors on va essayer de lui trouver quelque chose. Ah, ça tient pour l'instant. Éventuellement, ça pourrait aller. Ouais. Ça tient, on n'a pas trop de soucis. Alors, moi aussi, j'ai des problèmes de connexion. Attends. On va savoir ce que c'est. Veuillez réessayer votre connexion, c'est pareil pour moi. Bon, aujourd'hui, ben, décidément, aujourd'hui, ça bug dans tous les coins. Bon, mais là, j'ai ma gueule. T'as ton visage. Donc, visage. Bod, parlons. Tu es donc originaire de. Tu es donc originaire, Bod, de la Martinique, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, impossible de démarrer la vidéo. Ah, est-ce que tu veux qu'on mette un titre le temps de essayer de trouver Oui, alors, on va mettre un titre pour faire plaisir à Bod. Vérifier votre connexion. On va mettre Internet. Un titre. Ok, on va mettre Darius Denod Rosalinde. À tout de suite, les auditeurs. Qu'est-ce que ça me fait là? À tout de suite. Trouve le moyen parce que là. Putain. Appuie. Diamant des saphirs, un peu d'amour.
Go, go.
Claude. Oui. Originaire de la Martinique. Tu nous as fait perdre un temps fou. On est désolé pour les fans. C'est Facebook qui. Ouais, on est désolé pour les fans. Alors, excusez-nous. Déjà, déjà dans un premier temps, c'est... on va vous expliquer pourquoi on n'est pas en Facebook Live. J'ai ma belle veste et tout ça. Moi aussi. On va vous expliquer pourquoi on n'est pas en Facebook Live. Déjà, dans un premier temps, pour tout le monde, hein, que tout le monde le sache, Facebook déconne aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire que où que vous soyez, si vous essayez de vous connecter en Facebook Live, bah, ça ne passera pas. Nous, on a essayé pareillement. Bod a essayé de son téléphone. Ça nous a fait la même chose. Ouais. Et sur tous les Facebook, ça ne passe pas, sur tous les téléphones. Donc, c'est même pas un problème, disons, venu de chez nous. Mais c'est vraiment un problème général et on espère... que la situation va se rétablir très vite. Si c'est le cas, ben on viendra en live, vous inquiétez pas, on reviendra en live. Les gens essayent pour voir si c'est pas... Si vous nous voyez en live, faites-nous coucou quand même. Voilà. Mais bon, on a quand même démarré le live, mais il y a un petit décalage et un retard. Donc j'espère que vous écoutez bien en podcast, en tout cas pour ne rien rater. De toute manière, la vidéo sera enregistrée, comme ça, ça vous permettra de rien rater de l'interview de Bod Gilbert. Comment tu vas? À part ça. Très bien, très bien. Je me sens bien, tellement bien quand je suis en face de toi. Tu peux pas t'imaginer. Ah, bah toi, de toute façon, t'es un vrai flatteur. Hein. Ah, avec un univers. Je dis ce que je pense. Ouais, bah, t'es un flatteur. Ouais. Oui. Mais flatteur positivement. Flatteur positivement. Bah, il faut. Ouais. Il faut. Donc, tu es originaire de la Martinique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en tant qu'animateur de bals et d'autres fêtes locales. Tu nous as parlé tout à l'heure des fêtes locales. Mmh. Et tu es un véritable adepte de la musique tropicale, notamment de la salsa, merengue, rumba, pajanga, biguine, raga, soukous, au début des années 80. Donc, disons que sont ces gens-là qui t'ont... Surtout j'ai voulu mélanger la musique africaine avec la musique caribéenne. Mm-hmm. Déjà à l'époque. Hein. Ah, mais oui, tu sais que ça se faisait pas. Ça se faisait pas, je sais. Ça se faisait pas tant que ça. Je déjà, tu étais déjà un précurseur là-dessus. Quand je l'ai fait, plein de gens m'ont suivi. Ouais. Il y a pas de la Fozouk. Plein de gens m'ont suivi. Mais c'était mon truc. C'était ça. Je l'ai fait. Je m'appelle à l'époque. Il y a plein de gens qui s'étaient mis à le faire, tu vois, pour me concurrencer. Mais jusqu'à présent, je suis là et puis je ne vois plus. Les gens ont abandonné parce que c'était un mouvement. Mm. Et moi, je n'ai pas oublié. Je reviens tranquillement, je reviens là-dessus parce que je n'ai jamais oublié. Est-ce que ça marchait ça déjà à l'époque? À l'époque, ça marchait. Mais moi, jusqu'à présent, je ne suis jamais sur le côté commercial. Mm-hmm. Moi, je fais la musique ce que j'aime. C'est vrai. Et si les gens apprécient, tant mieux. Mais je ne dis pas, bon, tu sais, il y a tellement... Mais quand tu dis que tu ne fais pas de la musique commerciale, c'est assez... Je n'ai pas de commercial. Oui, je fais la musique. Je fais ma musique. J'essaie quand même de faire une musique qu'on peut danser, on peut, voilà, festive. Mm-hmm. Mais je ne dis pas, c'est parce qu'un tel a fait telle musique que je copie. D'accord. Je n'aime pas trop. Tu es plutôt le genre d'artiste original qui est créatif, tu veux dire. J'essaie de créer. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, pourquoi je n'écoute pas les autres? Je dis, j'ai pas envie d'écouter les autres. Quand j'entends. Parce que j'ai pas envie que. C'est déjà, quand tu écoutes les autres, tu es inspiré par des trucs. Des fois, tu peux prendre leur. Mais pour quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas d'artiste inspirant qui te donnait envie, toi, de faire de la musique. Oui, on a tous. Mais parce que j'étais jeune, j'avais pas de culture musicale, j'avais rien. J'étais un gars qui était là, quoi. Donc, tout ce qui arrivait, je prenais, tu vois. D'accord. Et maintenant, je sais de donner. Et qui étaient tes inspirants quand tu étais plus jeune? Je l'ai dit, j'avais beaucoup de... Parce que tu as une manière de chanter qui me rappelle un chanteur haïtien. Ah ouais? Ouais. Au départ, j'aimais beaucoup, je dis, tout ce qui était américain, tu vois? Ouais. Je me rappelle, c'est ça que j'aimais. Pas trop les chansons françaises. Ah bon? Non, pas trop. Ouais. C'était plutôt... Je sais pas, je... Et ça, c'était dans quelle année, ça? C'est dans les années 80, à peu près? Avant ça, tu vois... Avant. J'aime pas trop aller trop. Parce qu'elle va dire, putain, c'est un vieux celui-là, tu vois. Ah bah, on sait déjà que ça fait plus de 17 ans. Donc... Mais, ah oui, plus de 30 ans. Bah, ça fait longtemps, toi. Ouais, donc... Disons disons 40 ans, quand même. Mais j'aime bien parce que tu chantes pas comme un vieux. Ah bah, je suis pas un vieux, moi. Parce que moi, j'aime ta musique. Ah, ça fait plaisir. Et pourtant, je suis plus jeune. Ah, ouais. Je danse là-dessus, donc. C'est bien. Moi, je cherche toujours. On me dit, je suis un crooner, mais j'essaie toujours de. Un crooner, oui. J'essaie toujours de. Donner ce que je ressens, tu vois. Mm-hmm. Tu sais, il y a une époque, je me rappelle que j'étais en studio, que je chantais, j'avais des frissons et j'ai demandé à rechanter parce que ça me faisait peur. Mais j'essaie de trouver ce truc-là, c'est pas évident. Mm-hmm. Avant, c'était naturel. Maintenant. Mais à l'époque, tu chantais aussi souvent sur des musiques avec d'autres artistes, tu chantais avec d'autres artistes. Qui étaient ces artistes-là? En fait, j'ai pas. Et comment vous vous êtes rencontrés? J'ai pas chanté avec beaucoup.
Parce qu'avant, j'avais un groupe, ça s'appelait Pyromane. Je tiens à vous dire que le dossier de presse, c'est pas lui qui me l'a envoyé, c'est mon travail. De journaliste et ma petite enquête. Hein. J'étais avec un groupe qui s'appelle Pyromane, et donc j'avais beaucoup d'amis, d'amis musiciens, donc on faisait que du live, tu vois. Mm-hmm. Et c'est là qu'après, je me suis dit, tiens, je veux faire ma musique. Mm-hmm. C'était potentiel. Tu faisais de l'overbud à l'époque ? Comment ? Tu faisais de l'overbud. L'overbud. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'overbud ? Mais dis-moi. Bah dis-nous. Mais dis-moi. L'overbud, explique-nous ce que c'est. Non, mais je sais pas. Bah c'est tu travailles avec les DJ dans les soirées, les événements. Tu faisais ça à l'époque. Tu passais toi-même tes propres titres dans les balles à l'époque. Bien sûr. Donc explique-nous cette petite période. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus du live que je faisais. Mmh. Beaucoup du live. Les DJ. Tu sais, les DJ, j'ai toujours un problème avec les DJ. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui... les DJ actuels, hein, ils sont sur un mouvement, ils sont sur une musique avec telle vitesse, machin, tu vois. Et si, par exemple, tu fais autre chose, plus rapide ou moins rapide, ils ont peur d'intégrer. Et ça m'embête, ce truc-là, tu vois. Je trouve que la Moi, musique... Moi, j'ai pas très bien musique, compris, mais tu, explique-nous. Supposons que j'ai une musique où le tempo est à... 120. Et eux, leur tempo, c'est 88. Jamais ils passeront ma musique. Ah oui ? Mais non, parce que les vrais DJ passeront. Parce que eux, ils vont parler dessus, ils vont dire, toi, ils vont agencer les choses pour que ça marche. Tu veux dire que les DJ passent ce qu'ils veulent, ce qui est commercial, ce qu'ils ont envie de passer. Mais ils gardent un même... Par exemple, c'est une série de Zouk Love, il faut que ce soit à la même vitesse. Une série de Compass, il faut que ce soit à la même vitesse. Une série de machin, non. La musique, c'est pas ça. Quand tu viens danser, tu viens pour t'éclater. Tu n'es pas venu pour essayer pour stéréotyper sur même tempo, tu vois. Comment ? Moi, c'est ça. La musique, pour moi, elle est fluide. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, je dis ça pour eux. Ils vont me dire que je les embête. Mm-hmm. C'est pas grave, mais ça me gêne. Est-ce que tu as déjà pris des cours de chant ? Est-ce que tu as confiance en toi ? Si, j'ai pris des cours de chant. Mm-hmm. Parce qu'à un moment, je n'aimais pas ma voix. Mm-hmm. C'était à l'époque cette voix que les gens aimaient, tu vois. D'accord. Est-ce que tu la qualifierais d'atypique ? Moi, j'ai une voix, apparemment, que je chante, on me reconnaît, donc voilà. Quoi, donc. Mais le seul problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai une voix, ça dépend des tonalités, la voix peut être cassée. D'accord. Donc parfois, on me dit, ah, comme Jacob, mais j'ai commencé avant lui. Donc, j'ai une voix grave et je peux aussi me donner des aigus, tu vois, j'ai une voix particulière. Oui, tu as une voix qui se marie un petit peu avec tout. Ouais. Et comment tu as su intégrer justement tous ces instruments-là ? Parce qu'on sait que, bon, tu fais de la guitare, un peu de piano, un peu tout ça. C'est pour, juste pour que... moi, juste pour toi. Oui, juste pour toi, mais quand est-ce que tu as commencé à faire ça ? Parce que si c'est juste pour toi, en tout cas, ce que j'entends, c'est quand même de la qualité. Oui, mais ce que tu entends, c'est qu'il y a des comment dire, des arrangeurs qui ont mis la patte dessus et qui ont amélioré le son. Et les arrangeurs, toi, tu leur dis pas comment faire ? Selon tes qualités, ce que tu as envie d'entendre. Parce que tu peux avoir des arrangeurs, mais en même temps, tu peux leur dire, bah, écoutez, moi, je préfère... Parce qu'on appelle ça, comment on appelle ça, un artiste avec l'oreille musicale. Ouais, moi, je dis, quand moi, je viens, même si j'ai fait une maquette, je vais chez mon arrangeur, je lui dis, on reprend tout. Et je dis, je veux ça. Je dis ce que je veux. Mm-hmm. C'est pourquoi tu auras toujours ma couleur. Oui, ta patte. Si tu veux. Je ne veux pas qu'il fasse un truc et me dise, tiens, non. Je veux ça. Sinon, ça s'entend sur le titre plaisir. Oui, il faut que ça soit moi. Ouais. Et là, il y a Oscar qui a fait la guitare. Mm-hmm. Mais il m'a demandé est-ce que ça me plaisait. Tu vois, parce que là, si ça ne me plaît pas, je te dis... Mais sur l'album là, que tu as fait, le dernier, là, c'est Oscar qui t'a fait tout l'album ? Parce que moi, tu m'avais parlé... Ah bon, d'accord. Parce que moi, tu m'avais parlé d'une personne... Oscar a fait la guitare sur lequel ? Sur Plaisir. D'accord. Et sur aussi... Oscar, il a fait aussi sur... Chikungunya, je sais Parce que pas. Tu m'avais parlé d'un jeune talentueux d'origine haïtienne. Il a joué sur la nouvelle version de Femme que j'aime. D'accord. Et là, maintenant, tous les amis que je travaille avec eux, je programme, pas programmé, que je compose pour eux, j'appelle, c'est Evanson, je l'appelle. Et c'est un petit gars qui est très talentueux. Et je suis sûr que quand j'aurai du live, je lui ai dit je vais l'intégrer avec Boston pour que ce soit encore une couleur, que ce ne soit pas zouk, que ce soit zouk, couleur compas, une couleur
mitigé, mélangé. Moi, j'aime tout ce que le mélange de... Eh oui, t'imagines faire 20 ans, 30 ans de zouk, c'est... Ouais, c'est ce qui est lassant même pour ouais, ton c'est public. Comme 30 ans comparé. Non, il faut mélanger. Mm-hmm. Il faut mélanger. La preuve, tu vois, j'ai un titre qui s'appelle Cool Coucou, mm-hmm. qui est repris par plusieurs Sud-Américains. Vu qu'on a écouté tout à l'heure, je crois. Et ils ont repris aussi en Zumba, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, ça me fait plaisir que je vois ça. Je dis, tiens, ben... la musique, effectivement, je ne vois pas, effectivement, je ne vois pas que les Antilles. Je vois un peu, je vois un peu tout le monde, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, le t'as monde. Une grande, t'as une grande palette. Ouais, c'est ça que j'aime. J'aime je suis curieux, en fait, voilà. Donc, tout à l'heure, on a écouté Amin Coco. Je crois qu'on a déjà écouté Faut pas m'oublier. Moi, je suis perdue parce qu'on non, a plus on le a live. Écouté, on va pas écouter. Oublier moi, non, faut pas oublier moi, on l'écoute tout de suite, on revient dans quelques instants. Ben, à plaisir. Tout de suite. Parce que du coup... Qu'as-tu fait de mon cœur pour t'aimer si fort? Je t'appelle à toutes tes vraies hauteurs. Tu es mon avenir, avec toi je veux vieillir. Partager notre amour, je t'aimerai toujours. Je veux rester dans mon rêve et ne plus me réveiller, m'accrocher à tes lèvres. Savourer tes baisers, ma princesse, je me confesse. T'as effacé ma souffrance, tu es le vent de mes caresses, mon espoir, ma préférence. Faut pas oublier. Mon cœur vient te blottir encore une fois. Je
cherche le bonheur. Tout au moyen vers sa folie, on peut pas contrôler. Tout au moyen vers sa folie, l'amour moins qu'à filer. Tout au moyen vers sa folie, c'est vous que moi choisis. Tout au moyen vers sa folie, pas moyen le plaisir. La Guiba, Bod, tu as eu ton départ d'abord pour la métropole avec un surnom qu'on te donne, la Guiba. Explique-nous ce que c'est que la Guiba et sais, pourquoi on t'a donné ce surnom. Voilà, voilà. Alors, j'ai un ami, Djanga Chopin, je ne sais pas si tu connais. Mm-hmm. C'est à une époque qu'il avait fait un morceau qui a cartonné. Doudou, l'amour, et tiens-moi, qui a fait mal. Il avait fait ça. Ouais. Et puis, un beau jour, il m'a appelé la Guiba. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Alors, je dis, pour faire hommage, honneur à mon ami, Djanga, alors j'avais fait un album, j'avais mis la Guiba, tu vois, aussi, tu vois. D'accord. Et depuis, je trouve que c'est sympathique. Mais j'aime bien Bonne Guiba, tu vois. Ouais. Mais de temps en temps, je mets la Guiba en dessous, comme ça, on ouais, sait que c'est moi. Ouais, comme ça, voilà. C'est que c'est toi. Tu penses ouais. qu'il y a des gens plus qui te connaissent sous ce... Ah, sous Bonne Guiba. Tu vas dire Bonne, les gens ne seront pas. Tu dis Guiba, les gens ne seront pas. Ouais. Tu dis Bonne Guiba, on saura que c'est moi. D'accord. Donc, on sait que tu es auteur, compositeur et interprète. Tu te prédéfinis mais... comme ça. Ah oui, je fais tout. Donc, tu écris tes textes. J'écris mes textes. Je chante mes chansons. Mm-hmm. Je ne pense pas que j'ai à chanter sur un album les chansons des autres. Je ne pense pas. Je crois pas. Non, je... Et tu es contre ça, toi, les gens qui reprennent des titres non, les... je suis pas contre. Les gens, c'est fait pour ça aussi. C'est des gens... Ça dépend de l'engouement, ça dépend de l'envie des gens. Si par exemple, parce qu'il y a des gens qui peuvent reprendre mes titres. Dernièrement, j'ai un gars qui a chanté en live avec son groupe un titre à moi qui dit j'ai oublié même le nom, sur des vacances, tu vois. Mm-hmm. J'ai trouvé ça sympathique, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Ah, t'aimes bien qu'on reprenne tes titres, mais qu'on les reprenne bien. Ah oui, mais il a bien pris. Ça m'a fait quelque chose. Je dis, tiens. Ah, c'était bien, franchement. C'est bien. Le jour je rencontrerai, je dirai que. Voilà, mes félicitations, monsieur. Ouais, ouais. C'est génial. Ouais. Qu'est-ce que je voulais savoir? Comment tu t'inspires, toi, quand tu écris? Parce que tes sons sont très love to love. Hein. Moi, je m'inspire. Très lover. Je m'inspire par rapport à la personne qui est en face de moi ou bien par rapport à ce que je ressens. Oui, et d'ailleurs, je tenais à le dire, tu as des inspirations à l'impulsivité. Oui. C'est incroyable. Mais ouais. La dernière fois, ouais. je t'ai dit. Tu peux me faire un titre avec Dunia. En deux secondes, tu m'as fait. Tu m'as sorti deux phrases, quoi. Mais oui, mais oui. Et ça rimait bien, c'était joli. Mais c'est comment comme ça, tu fais je ne sais pas. Il y a des moments où je suis prêt à le faire, des moments non. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi est-ce que les femmes t'inspirent? Les femmes m'inspirent beaucoup de choses. Tu sais, les femmes m'inspirent un peu de folie dans un peu de folie. Moi, j'aime la femme. Oh, ça se voit. J'aime la femme. T'aimes la femme. T'aimes toutes les femmes, en fait. Non, pas toutes les femmes. J'aime la femme. Non, toutes les femmes. Non, ce serait prétentieux d'aimer toutes les femmes. Non, non. Ah, tu as des goûts. J'ai beaucoup de respect pour la femme. Tu as des goûts, alors t'aimes toutes les femmes. Non, j'aime. Pour moi, une femme, j'aime bien quand elle est sensuelle, quand elle est un peu. Ah, donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Un peu sensuelle. Si t'aimes certaines femmes. Un peu dévergondée. Tu vois, un peu. Ouais, j'aime bien. Est-ce que les femmes t'inspirent? Est-ce que les femmes t'inspirent? Que ça. Ouais. Tu vas à mes chansons, il n'y a que des prénoms de filles. Ah, oh, je sais, j'ai remarqué. Donc, les femmes m'inspirent. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'inspire dans la musique? Est-ce que ce que tu as vécu, toi, parce personnellement, que t'inspire? Justement, j'aurais pu m'inspirer de tout ce que j'ai pu rencontrer dans la vie, mais de beaucoup plus... Pas sérieux, parce qu'une femme, c'est sérieux quand même. Mais beaucoup plus tragique. Mais je pense qu'on aurait dit que j'étais...
ça me rapprocherait un peu de gars révolutionnaire. C'est pour ça que je ne fais pas ce genre de texte parce que ce serait très dur. Tu penses? Ah ouais, très dur sur ce que je vois. Est-ce que Bod a eu un passé dur? Non, tu sais, j'étais gâté quand même parce que à l'époque où je suis né, mon père travaillait, ma mère travaillait, on n'était pas riche, hein, t'inquiète pas. Mais j'avais tout ce que je voulais, toi. Bon, j'avais l'essentiel. Je mangeais tranquillement, j'avais pas de problème là-dessus, j'allais à l'école, tu vois. J'étais pas riche, bon, mais j'étais bien. Donc, si tu veux, ça aide pas un artiste d'avoir un certain. Pour le côté un peu éraillé, d'avoir quelque chose, une peine, pour écrire. Pour avoir une. Est-ce que tu as déjà écrit de la peine, de la mélancolie? Je peux le faire, mais. La preuve, j'ai fait un titre pour un copain. Il m'avait dit, il avait un cousin qui était mort, il m'a dit. Fais-moi une chanson là-dessus. Je ne faisais pas, je lui ai dit non. Hein. J'ai dit, il m'a pris la tête, je l'ai fait. Il a su chanter, bon, comme, ouais, à peu près comme je voulais. Et ça, c'est de la peine. Bon, je dirais le nom, bon, c'est Pierre Desrand. Donc, la chanson Tristesse, d'accord. Je l'ai fait. Mais je n'aime pas trop entrer dans ce domaine-là parce que j'ai peur d'aller trop loin. D'accord. Tu vois, je vais faire tout ce qui est un peu double sens, machin, un peu coquin, un peu. Bien. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, des titres oui, très coquins. Mais c'est la vie, ça peut bien. Parce que les gens ont leur souffrance, les gens. Bon, ils vont donc travailler, tu préfères, c'est toi, chanter la joie, l'amour. La joie, faire rêver. Ou ouais. C'est peut-être parce que t'es un homme pudique. Je suis pas pudique. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas écrire parce que des choses sont trop dures parce qu'ils sont pudiques. Non, je suis pas pudique. Ils n'ont pas envie de montrer leur âme. Non, j'étais timide, j'étais gamin. Mais parce que je bégayais un petit peu, tu vois, donc j'étais un peu timide. Mais je suis un gars, j'aime bien la vie, j'aime bien. Rien que parce que tu croises les mains, je sais qu'il y a une part de fausseté. Mais je suis réservé. Non. Eh ben, chez un psychologue, quand tu fais ça, c'est que tu veux pas t'ouvrir. Non, je m'ouvre pas pour tout le monde. Eh oui, j'ai remarqué. Ouais, regarde, tu te fermes à moi, là. Mais tu veux que je. Ben, va, oui, ouvre-toi. Par contre, moi, ouvre-toi, s'il te plaît. Parce que déjà, ouvre-toi, ça sera mieux pour discuter. Attends, je privilégie. Mes ouvertures. D'accord, bah ouvre-les avec moi. Tu veux que je avec toi, je vais ouvrir avec toi. Vas-y, je t'en prie. Ouvre-toi à moi, il n'y a pas de souci. Je te donnerai tout. Et dis-moi, comment tu t'es inspiré pour écrire Anti-plaisir? Anti-plaisir. Avec une belle jeune fille, j'adore cette fille, je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Liana, elle est camerounaise. Oui, je l'ai rencontrée, reine du carnaval. Oui, voilà. Je l'avais rencontrée. C'est une fille vraiment simple, cool, on va la voir. Voir quoi qu'elle que cela pète, alors pas du tout, c'est une fille qui a le cœur sur la main. C'est choisi. Alors, quand je l'ai dit, tu vois, je ressens des fois les gens, tu vois, j'ai vu que c'était possible, tu vois. Elle l'a fait, et j'espère qu'elle aura d'autres choses encore plus intéressantes que ce que j'ai fait là. Et Antiplaisie, comment tu t'es inspiré pour l'écrire? Ah ben, en fait, cette histoire, c'est une chanson que j'avais composée pour une fille qui est en Martinique. Donc, celle... tu étais amoureuse? Non. Hein. Comme ça? Non, c'est une fille vraiment sympathique. Tu sais, moi, c'est sympathique. Pourquoi? Parce qu'elle avait chanté. Ouais, voilà. Elle avait participé sur mon album, sur le clip Femme que j'aime. D'accord. Alors, pour la récompenser, j'ai dit, je te fais un titre. Et j'ai vu que c'était. Elle était pas tellement à l'aise dessus, tu vois, parce que bon, c'était assez particulier. Alors, je lui ai dit, je reprends ce titre-là. Et je te fais un autre. Elle m'a dit, ok, donc je l'ai fait. Parce que mon fils, qui a BG, m'a dit, ça te va, ça. Mm-hmm. Il m'avait dit, c'était un tube. Mais comme j'avais fait pour la fille... Eh bien, tu sais ce qui me surprend dans ce titre, pour te couper, ouais. Dans Antiplaisie, qui m'a réellement surpris, tu sais, c'est pas tous les artistes qui savent marier le zouk et le compas. Ah ouais, mais je l'ai fait. Des artistes ne savent pas le faire. Moi, j'ai beaucoup entendu des gens qui font du zouk et qui essaient de marier le zouk et le compas. Ouais. Et des fois, ça passe pas. Ouais. Et là, je vais te féliciter parce que quand j'ai entendu le titre, je me suis dit chapeau bas. Ah, ben voilà. Tu sais marier le zouk avec le compas. C'est exactement comme je fais avec la musique africaine. Tu pourrais faire du compas. Hein. Franchement. Mais si. Tu sais, c'est pas. Je te dis un truc. À l'époque où la musique haïtienne, les années 80, c'est un genre de scoop, je devais partir. Avec comment s'appelle le batteur là qui est très connu là qui jouait dans tu sais ce que je vais ça va terminer, je vais partir, je vais te proposer parce qu'on va avoir une petite coupure pub mais je vais très vite, je devais aller en Haïti
faire un album. Je suis pas allé. Tu as une minute. Je suis pas allé. Donc tu vois. C'est pour ça que je te propose qu'on termine de raconter ton histoire qui est super intéressante. Mais après coupure pub, on va écouter Antiplaisie. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de problème. On va avoir une flash info. Et ensuite Antiplaisie. Il n'y a pas de souci. Et on revient sur l'histoire que tu es en train avec de raconter. Avec plaisir. À tout de suite, Bud. Il est bavard, mais je l'adore. Raconter ton histoire qui est super intéressante, mais après coupure pub, on va écouter Antiplaisie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va avoir une flash info et ensuite Antiplaisie. Il n'y a pas de souci. Et on revient sur l'histoire que tu es en train avec de raconter. Avec plaisir. À tout de suite, Bud. Il est bavard, mais je l'adore. Vous assure, RFT, il est 18h. Bonsoir, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 13 mars, après les questions s'approche le temps des réponses. À l'issue de 2 mois de consultations tous azimuts, l'exécutif se donne jusqu'à la mi-avril pour décider ce qu'il compte faire. Des très nombreuses propositions nées du grand débat, avec des choix qui s'annoncent difficiles selon le Premier ministre Édouard Philippe. Dans ce contexte, le Parlement a adopté définitivement hier soir, par un ultime vote du Sénat, le texte anti-casseur soutenu par le gouvernement, mais certaines mesures controversées risquent d'être annulées. Le président Emmanuel Macron ayant lui-même décidé de saisir le Conseil constitutionnel, comme le fera la gauche. Dans l'actualité également, la compagnie à bas coût norvégienne Air Shuttle va réclamer des réparations financières à Boeing après la suspension de vol des 737 MAX. Comme de nombreux pays, l'Agence européenne de sécurité aérienne a décidé de fermer l'espace aérien européen au Boeing 737 MAX après le crash de dimanche qui a fait 157 morts, dont 9 Français. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné aujourd'hui le groupe ADP Aéroports de Paris à la peine maximale de 225 000 euros d'amende, 15 ans après l'effondrement du terminal 2 de Roissy, qui avait fait 4 morts et 7 blessés. Après le rejet de l'accord proposé par Theresa May, l'incertitude se poursuit. Les députés britanniques ont débattu cet après-midi avant de voter ce soir pour ou contre un Brexit sans accord. Un millier d'enseignants et d'élèves manifestent ensemble ce mercredi dans le centre-ville d'Alger contre le prolongement sine die du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika et pour un meilleur avenir. Le cardinal australien George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, tombé en disgrâce, a été condamné à 6 ans de prison pour agression sexuelle contre 2 enfants de cœur, des crimes éhontés aux yeux du juge. Et puis Uber a accepté de payer 20 millions de dollars pour solder des poursuites lancées par des chauffeurs aux États-Unis qui contestaient leur statut de sous-traitant, les privant de salaire minimum et de protection sociale. Enfin le sport, côté football, c'est le jour J pour l'Olympique Lyonnais qui va tenter ce soir de sortir le Barça de la Ligue des Champions. Sur le papier, le pari s'annonce compliqué, mais après un match nul, 0 partout à l'aller, les joueurs y croient, à commencer par Nabil Fekir, suspendu lors de la première manche. Voilà pour l'information, passez une agréable soirée avec nous. Flyweb Tropical, la radio qui prend son envol sur le web. Salut à tous, place à l'essentiel de l'actu sportif de ce mercredi. Comme prévu, les routes bourbonnaises ont été propices aux sprinteurs sur le Paris-Nice. Le néerlandais Groenewegen reste leader avant la 4e étape qui s'élancera de Vichy ce matin pour rejoindre Pélussin dans la Loire. L'Auvergnat Romain Bardet, 9e à 23 secondes, a passé cette étape venteuse sans encombre. Aucun changement au classement général à l'issue de cette première étape auvergnate. Le néerlandais Dylan Groenewegen de Jumbo-Visma conserve le maillot jaune de leader avec 6 secondes d'avance sur le polonais de la Sky, Michal Kwiatkowski. Côté tennis, le français Gilles Simon a été éliminé au 3e tour du Master 1000 d'Indian Wells par l'autrichien Dominic Thiem, 6-3-6-1. De son côté, Gaël Monfils poursuit son bon début de saison après avoir dominé copieusement l'Espagnol Albert Ramos, 6-3-6-0. Novak Djokovic, lui, n'a pas pu le rejoindre puisque la pluie ne lui a laissé disputer qu'un jeu contre Cole Schreiber. En revanche, c'est fini pour le Canadien Félix Auger-Aliassime, tombeur de Tsitsipas au tour précédent.
mais vaincu par le japonais Nishioka en 5-7. Le français Richard Joux va terminer 3e du sprint classique de Coupe du Monde de ski de fond à Drammen en Norvège ce mardi. Son 2e podium de la saison sur une épreuve dominée par le Norvégien Johannes Klebo. Côté foot, en match en retard de la 18e journée de Ligue 1, 6 jours après l'élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a largement gagné à Dijon 4-0. 9 mois après avoir quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane est donc revenu aux affaires, encensé après les 9 titres gagnés durant les 2 saisons et demie passées sur le banc des merengues. Le Français n'aura pas la partie facile, 3 défis majeurs se présentent à lui. Redresser une équipe en déliquescence, faire passer son message et préparer le recrutement de la saison prochaine. Voilà pour l'info sportive de ce mercredi, excellente journée. Bonsoir à tous. Le temps pour ce jeudi 14 mars. Pour le matin, le temps est gris, venté et pluvieux des côtes de la Manche jusqu'au centre-est. Les vents sont soutenus sur les Hauts-de-France ainsi que le Mistral et la Tramontane. Ailleurs, les nuages dominent dans des températures en légère hausse avec 2 degrés à Aurillac, 3 de Limoges à Nice, 4 de Lyon à Strasbourg, 5 de Bourges à Charleville-Mézières, comptez 7 dans la capitale, ainsi qu'à Lille et Toulouse, 8 à Cherbourg, Rennes, Bordeaux, ainsi qu'à Perpignan, 9 degrés pour La Rochelle et Nantes et jusqu'à 10 à Biarritz et à Brest. Pour l'après-midi, pluie et grand vent se généralisent aux deux tiers nord-est de la France. Le Mistral se maintient, favorisant un temps ensoleillé sur le quart sud-est. Les températures sont de saison, mais le ressenti est très maussade. Pas plus de 7 degrés pour Aurillac, 9 à Strasbourg et Dijon. Comptez 11 à Orléans ainsi qu'à Bourges, 12 à Rouen, Cherbourg, La Rochelle, 13 degrés à Lille, Brest, Paris ainsi qu'à Bordeaux et Lyon. Comptez 15 à Nice, 16 degrés pour Ajaccio, 17 à Marseille, 18 à Montélimar et 19 pour Perpignan. Excellent jeudi à tous. Flyweb Tropical, la radio qui prend son envol sur le web. Est de la France, le Mistral se maintient. Les ans s'échaînent qui nous tracassent.
présence sur mon épaule, je te rassure. Je suis un homme amoureux, j'ai besoin de ta chaleur. Tu ne places tout. Merci aux auditeurs d'avoir été aussi patients, hein, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est en live, on a des petits problèmes techniques. On tient à s'excuser parce que ça vient bien entendu de Facebook. Hein. Ah ouais. Darius qui a essayé de m'appeler sur Messenger, mais Messenger ne fonctionne pas. Enfin bref, on espère qu'il ne va pas tarder à arriver parce que là, vraiment, on est vraiment à la bourre surtout. Sa manager, elle nous a dit qu'il est parti depuis 15 heures pour l'interview et sa femme aussi, donc tout le monde s'inquiète. Darius, si tu nous entends... Donc, viens bien vite nous rejoindre en interview. Nous sommes déjà là, jusqu'à la grille verte hein, que tout le monde connaît. Tu as laissé un message, ta manager, au bout du chemin, la grille. Et puis, on viendra t'ouvrir la porte. Donc, toujours avec Bud Gilbert, vous êtes toujours sur mon émission. Donc, Campé. Gilbert. Tu dis Gilbert. C'est joli que Gilbert, mais Gilbert. Non, j'ai pas dit, t'as dit Gilbert. C'est enregistré, attention. Bud Gilbert, excuse-moi. on va parler de ton ami nigérien. Oui, Nigeria, le prince Nico Mbarga, ouais. Qui t'invite pour sa tournée africaine ouais. avec aussi Freddy et tout ça. Et Madinga, voilà, tu travailles avec aussi T'Challa Moana, oui. Sam Fantôme. Sam Fantomas, Ren Pelagi aussi, Pelagi, oui. Des grands noms de la scène africaine, oui. internationale, qui, toi, te permettront de fouler de grandes scènes européennes, donc l'Olympia aussi. J'ai fait l'Olympia en deuxième partie, en première partie, avec une chanteuse martiniquaise, mais j'oublie le nom, c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est pas grave. Par contre, n'oublie pas le Guy Bert, c'est toi. Encore, je me referme, c'est marrant. Ouais. Non, j'ai l'impression... Demain, on verra la télé. En fait, je suis en train de te tenir, tu vois, c'est ça. Ah, en fait. Mais on y va, continue. Oui, alors, on va continuer. Quand tu commences, toi. Hein? Et puis, oui, à l'époque, j'aimerais bien refaire une scène. Là, je suis prêt à faire une scène, mais Bud Gilbert. Et tous ces amis-là avec qui tu collabores, c'était sur quoi? Et comment vous vous êtes connus? Comme ça, parce que à travers la musique, hein. Tu sais, c'est la musique, c'est ce genre de tremplin. Mm-hmm. Quand tu fais de la musique, il y a une famille de musiciens, tu vois. Donc, quand tu rencontres un, si par exemple tu as un déclic, tu rencontres l'autre, n'importe quel pays, tu arrives, tu rencontres des musiciens. Non, mais c'est pas rien quand même pour t'avoir invité sur leur. Ben oui, mais c'est pas rien. Je sais pas. Mais tu serais pas un petit chanceux, des fois. Il faut de la chance dans la vie. Il est décédé, tu veux dire? Ouais. Donc, j'ai la chance de te rencontrer. C'est pas par hasard. Moi, je fais toujours
des rencontres, mais assez particulières. Je dis, c'est pas par hasard, on rencontre des gens. On a un chemin qui est tracé. Donc parle-nous de l'Olympiade, de cette expérience extraordinaire que tu as vécue. Tu sais, pour moi, c'est pas tout le monde qui peut faire. Mais les gens font des choses mythiques. L'Olympiade, c'est un truc mythique, mais je sais pas, c'est une scène comme d'autres scènes, tu vois. Ça me fait pas peur plus que. Que Bercy? Ouais, par exemple, une scène du moment que ton boulot, tu sais le faire, tu le fais, et t'as des gens en face de toi qui aiment ce que tu fais, tu oublies que tu es là. Au départ, effectivement, on fait une montagne, machin, effectivement, c'est mythique, c'est un nom. Mais bon, ça, non, c'est bien, mais il y a des gens qui créent aussi des noms, qui créent aussi des lieux, tu vois, comme si c'était une. Pas possible de passer, inaccessible, tu vois. Alors que... Et justement, après ces scènes européennes dans l'Olympien, donc, tu as réalisé au total une vingaine d'albums, en tout y compris, avec ses collègues d'artistes, un bilan plutôt positif, le plus africain des Antilles. En fait, tu as plus de 20 ans d'état de service. J'ai plus de 20 ans maintenant. Ouais, mais à 30 plus. Ah oui, parce que là, c'était à l'époque, c'était... Là, j'ai un peu plus, ouais. Et là, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai fait... un super live à Sainte-Lucie, tu sais, des Anglaises. Ouais. C'était le festival, le Oktoberfest. Ouais. Face à 10 000 personnes, tu sais, au soleil, les gens sont un peu, pas dénudés, mais... Donne-nous la recette pour faire un bon titre, parce que pas mal de tes titres sont quand même mutiques. Non, il y a quelque chose quand même, parce que pas mal de tes titres au jour d'aujourd'hui sont très entendus, mythiques, reconnus. T'as des titres qui ont fait le tour du monde. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il y a forcément quelque chose. Peut-être la chance. Je te dis, j'ai fait 3 titres pour une Gabonaise, Angela Selle. D'accord. Au départ, j'ai un copain qui est venu, il m'a dit, son producteur, il m'a dit, je veux que ce soit 3 qui fassent ça. Je dis, oh là là, moi, je ne peux pas. Il m'a dit, si, tu le fais, on fera des arrangements. Eh bien, on l'a fait. Eh bien, ça fait un tube. Plus de 55 000 exemplaires vendus, machin, tu vois. Dernièrement, j'ai fait... Est-ce que c'est ces titres-là qu'ils ont fait que tu as fait la première chaîne ivoirienne? Parce qu'on sait que tu as fait les premières chaînes. Non, c'est avec Chouchou, en fait. Avec Chouchou, tu as fait la première chaîne. Chouchou et Djama, ces deux titres-là. Djama, là, ouais. Tu fais vraiment le tour de l'Afrique. Là, ça fait... Alors, donne-nous le secret, c'est ce que je dis. Il y a forcément un truc. Parce que c'est un mélange déjà de musique antillaise et africaine. Parce qu'il n'y avait aucun antillais qui avait joué avec moi. J'avais un Zaïwa, qui s'appelle Poto Maurice. Il est en Belgique. Je suis allé le voir, j'ai dit, bon, je prends ma guitare, j'ai dit, je veux faire de la musique. Et lui, par rapport à ce que j'ai fait, il s'est mis dans mon système, tu vois. Tu vois, je l'ai pas laissé faire à sa façon. D'accord. Il a fait à ma façon, et ça a fait quelque chose. Eh ben, jusqu'aujourd'hui, tes titres qui résonnent encore, qui sont si beaux, j'adore en tout cas ce que tu fais. Gentil. Tu sais quoi, on va écouter Femme que j'aime. Ouais, ah oui. Et nous revenons dans quelques instants, toujours avec Pod. À tout de suite. Thank you.
Seigneur, l'esprit était assis. Gardez la paix, qu'est-ce que c'est seulement qui te guérit? Gardez la paix, pas dit. Qu'est-ce que la jalousie te les manger? Sans faire ça, en l'esprit, en cerveau, en tout corps, en tout caillou. Titre, hein. Ah ouais, ça c'est les années folles de Bodilibé à la Fozouk. Ah ouais, hein. Ah. T'as su mettre un petit peu de Kassav dedans, un petit peu de rétro. C'est à l'époque où Kassav démarrait aussi, tu vois. Que t'as bien connu Kassav. J'ai commencé avant parce que je suis venu faire des chœurs avec moi, il n'y avait pas encore Kassav, tu vois. Et bien Kassav, j'ai suivi Kassav parce que tu sais, il y a mon pote Martelly, Jean-Philippe dedans, je connais ce que je connais, tout ça. Donc je suivais parce que c'était aussi la révolution, le son musical aux Antilles, tu vois. Donc, ouais, tout ça, ça a permis qu'il y ait un élan musical, quelque chose qui s'est... Et justement, en parlant de ces titres-là qu'on vient d'écouter, tu es invité sur la première, donc ce que je disais tout à l'heure, donc ivoirienne, hein, ouais. Avec le tube aussi Chouchou. Et surtout ouais, Kulu, Chouchou, hein. Surtout Kulu Kuku, qui sera repris à travers le monde en diverses versions, Wilfrido, ouais, Varga, ouais, Porti, Vimegas, ouais. Merengue Party, Hot Salsa. Et dans les années 90 seront celles de retour sur le devant de la scène antillaise, tout aussi prolifique. Pour notre chanteur qui écrit, compose, arrange et tu produis, opus et tout ça. Tout
ça. Coulou, coulou, parle-nous de cette histoire. Coulou, coucou, ouais. Coulou, coucou, j'arrive pas à le dire. Ouais, mais c'est pas grave. Coulou, coucou, ouais. Parle-nous parce de que, cette histoire. C'est pourquoi, parce que... Déjà, pourquoi l'avoir appelé coulou, coucou? Eh ben, c'est ça, man. Tu sais, j'étais... C'est mon fils qui est dans la BG. Je sais pas, tu connais la BG? Oui. Eh ben, il était tout petit, gamin. Il avait peut-être, quoi, 2-3 ans. Et puis, il me chantait coulou, coucou, oui. Coulou, coucou, comme ça. Je dis, où est-ce qu'il a pris ça, man? Et puis j'ai pris ma guitare. Même moi je l'ai chanté. J'ai pris ma guitare. C'était un truc d'enfant ça. Ouais, ouais, je sais pas où il a pris ça. Tu vois? C'était le jeu là, l'enfant. Ouais. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis je suis allé en Guadeloupe. Et puis à Sainte-Rose, et puis il y avait un groupe de carnaval mm-hmm. qui m'a demandé de composer un morceau pour eux. Tu vois? Mm-hmm. Donc j'ai profité pour faire ce morceau. Tu vois, c'est chaud, ça fait un peu carnavalesque. Tu vois? Mm-hmm. J'ai fait ça, j'avais pris le premier prix. Mais ça a tourné partout, ça. Et après, ça, c'est parti, j'ai fait l'album. Wow. Et on retourne en Guadeloupe, sur la radio, la première radio de Guadeloupe. J'entends ce titre-là en merengue. Alors, j'appelle en fait, tout le monde l'a repris, ce titre. Oui, alors, on l'a appris en quoi? En musique. Merengue, rumba, en tout. Quand tu dis rumba, c'est de la musique congolaise. Zumba, je veux dire. Zumba. J'ai eu peur. Ouais, Zumba. Ils l'ont repris, même j'ai vu dernièrement, avec la flûte de pan, là. D'accord. Donc, tout le monde l'a repris, ce titre. Tous les groupes. Les soirs, j'étais en Martinique, je rencontre un Sud-Américain qui était venu. Mais ils te demandent là, ils font la SACEM, tout ça, ils ne demandent rien. Rien du tout. Parce que... Non, mais je ne sais pas, je me demande comment ils font des titres sans te consulter. Je te dis, parce que j'avais donné la licence à un gars au Venezuela. Donc tu t'es fait avoir. Il est décédé. Et c'est après, les gens ont pris l'album. Et qu'est-ce que tu veux que je... J'ai oui, donc tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Et il y a la Rumba 13 qui voulait prendre ce titre. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on dit que tu t'es fait avoir, ouais. Le titre, c'est comme si ce n'est pas toi qui l'avais fait. Est-ce que tu es reconnu avoir... Toi. Ah ouais, mais quand je leur dis c'est mon titre... Est-ce qu'ils savent que c'est ton titre? Mais quand je dis... Encore, il ne veut pas s'ouvrir. Non, parce que tu me coupes la parole. Ce titre-là. Je te réponds. Est-ce que les gens savent que c'est toi qui l'as fait? Je te répondais justement. Je t'ai dit que quand je dis Coulou Coucou, les gens connaissent le titre. D'accord. Le plus souvent, ils ne savent pas que c'est Bob Guibert. Bah, ils pensent que c'est qui alors? Ils pensent que c'est. Le mec du Venezuela. Voilà. Et quand je dis que c'est Bob Guibert. Tu n'as jamais attaqué en justice ni rien? J'attaque à ma justice. J'avais donné le truc à une dame qui disait qu'elle faisait l'édition. Elle n'a rien fait de bien, donc. C'était. Non, mais est-ce que. En fait, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil aux gens pour ne pas tomber dans ce truc? Parce que maintenant... tu veux dire qu'à l'époque, tu étais un petit peu dans l'euphorie de la musique. Moi, c'était la musique. J'ai toujours dit c'était la musique. Moi, je faisais la musique. Tu n'en as jamais fait pour vivre? Non, parce que j'avais un boulot. Donc, je ne m'occupais pas. Tu vois, pour moi, je faisais ma musique, je prenais mon pied, pas possible, je voyageais, tu vois. Et je te dis, si j'avais... Bon, comme maintenant, je sais comment ça qu'il faut faire, je serais tranquille, je jouerais déjà ma grande... À l'époque, il y avait la SACEM ou pas? Déjà, il y a toujours, oui. J'avais ma grande maison en Martinique, je t'aurais invité, tu vois. Est-ce que tu n'étais pas un petit peu naïf? C'est pas... Peut-être on peut dire naïf, mais ça dit que j'étais insouciant, peut-être. Je faisais ma musique. Non, naïf. Peut-être. N'ayons pas peur d'utiliser le terme. Non, peut-être. Peut-être toi, tu dis, à ta façon, c'est naïf. Peut-être moi, c'était pas naïf. Peut-être, je savais qu'il y avait ça, mais je... Pour moi, c'était pas important, en fait. D'accord. Tu vois? Bah, il a dû le sentir, hein, je pense, quand il a appris le titre. Hein. Et bon, et après, bon, effectivement, ça fait disque d'or. Mm-hmm. Ouais. Bah écoute, on va l'écouter pour montrer aux gens quand même que tu c'est quand même à toi. C'est moi. C'est ton titre. Mais je vais reprendre ce titre-là avec le Sud-Américain. Je vais reprendre. Ah bon? En espérant que c'est pas lui, il va pas péter les plombs. Mais je vais reprendre. On va l'écouter pour montrer un petit peu au public ton talent quand même. Hein? Et puis, lui voler pas le titre, c'est bien à bod le titre. Sinon, je vais me fâcher. Allez, on écoute. Redis-moi-le parce que j'ai coulou, pas... Coulou, coucou. Coulou, coucou. Et on revient dans quelques instants, que toujours sur Flyweb. Le U... Coulou, coucou. Mais le U en espagnol, c'est où? Ouais, coulou, coucou. Ah, c'est parce que tu l'as écrit en espagnol. Non, j'avais écrit en français. Ah, d'accord. Okay. Et eux, ils ont mis... Coulou, coucou. Coulou, coucou. D'accord. Bah, on écoute coulou, coucou. Et on revient dans quelques instants, toujours avec Bob. À tout de suite. À nous, allez. On n'est pas fatigué, on vit la vie sans à l'heure. Allez, on va rester le temps.
Oh, c'est vrai qu'il fait, c'est vrai qu'il fait quand même pas mal bouger ce titre. Ah, c'est un peu Zouk Zumba. Tu vas le reprendre ou pas du coup? Ah, je vais reprendre mais avec la version originale. C'est qui arrange tes morceaux la plupart du temps? Qui fait ta musique? Avec qui tu travailles? Avec quel ingénieur? Je travaille avec deux arrangeurs. Déjà, c'est il y a Jadot Zabulon, j'appelle Dolphine, et puis j'aurai lui. Et je travaille avec un ingénieur africain qui s'appelle Joe Etty, qui est à Kédivoui. D'accord. Tu vois, sur tous tes albums? Le dernier, par exemple. Le dernier, oui, le dernier, il y a ce gars-là là-dessus, tu vois, en fait, ouais. Mais en ce moment, Kédivoui, c'est mon pote, c'est là que je travaille. Tu vois, on se comprend, tu vois, là, je suis à l'aise, je ne vais pas ailleurs. C'est comme ça, moi, je suis très fidèle à l'amitié. On sait que tu as fait un titre en hommage à ton père. Oui, je l'ai fait, mais ça fait longtemps. J'ai fait ça, mon père est mort, effectivement, longtemps. Ouais. Je l'ai fait, mais je ne me rappelle plus les paroles. Je ne me rappelle plus les paroles. Ouais, parce que mon père, c'était bien pour ton père, rassure-moi. Oui, oui, oui. Hein? Mon père, c'était très, très particulier parce que j'avais un père un peu macho, qui était super cool avec les autres gamins, mais avec moi, il était très, très dur. Mais moi, je n'aimais pas ça, tu vois. Donc, Le titre, tu voulais lui dire quoi comme message dans ce titre, dans cet hommage que tu as fait? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on sait. Hommage, c'est quand même quelque chose qu'on sait parce qu'il est sorti, ce titre. Oui, il est sorti. Oui, oui. Donc, les gens le connaissent, ce titre. Oui, mais c'est mon père. Donc, Il parlait de quoi, ce titre? Bon, de l'amour que j'avais quand même pour lui, malgré ses... T'es ému? On est toujours ému, mais pas plus que ça. T'as les mouchoirs ou pas, Francis? Elle veut m'amener dans un domaine où elle ne m'aura pas comme ça. Non, je suis pas ému. Pour une fois, depuis le début de l'émission, pour une fois que t'es ému. Toi, tu peux me rendre ému. Toi, tu peux me... Oh, ça y est, il a changé le... Toi, tu peux me faire vibrer. T'as encore changé la parole. C'est toi, t'as vu? Qui c'est qui était mieux là? Qui c'est qui rougit? C'est toi et pas moi? Bah, heureusement que je rougis. Je noircis même, si tu veux. Non, parce que pas mal de tes titres, donc tu travailles toujours avec les mêmes arrangeurs depuis 20 ans, 15 ans. Non, c'est avant, j'avais, au début, j'avais Maurice Poteau, tu vois. Et puis après, j'ai eu quelques arrangeurs comme ça. Parce qu'il y a des gens qui me plaisent. Il y a encore des gens que je mets travailler avec eux. Et puis ça viendra. Quelle est ton expérience la plus négative dans la musique? La plus négative? Que tu referais même pas, quoi. La plus négative. Tu sais que dans la musique, tout est bon. Même les choses les plus négatives, ça te... Non, permet... mais une histoire, d'une anecdote, hein, une chose qui t'est arrivée, qui t'a marqué. J'ai pas l'habitude de tout regarder, tout ce qui est négatif. C'est vrai, je fuis pas, hein, mais je suis toujours positif dans tous mes trucs. Alors, qu'est-ce qui est de plus positif qui t'est resté dans la musique? Parce qu'en toute ta d'années de carrière, ouais, tu as plus de 20 ans de carrière. Ce sont mes rencontres. Non, non, Bode, oui. Tu as plus de 20 ans de carrière. Oui. 20 ans. Plus en 20 ans, personne sans langue de bois nous dirait ils ont connu que des bonnes choses dans la musique. J'ai pas dit ça. Non, mais oui, d'accord. Même négatif, il doit forcément avoir quelque chose qui t'est resté quand même, tu pourrais conseiller, toi, parce que t'as des gens, tu es leur modèle dans la musique, ils t'admirent, t'as des fans. Qu'est-ce que tu conseillerais pas à quelqu'un de faire que toi, tu as testé, peut-être dans la musique, ça peut être aussi des mauvaises rencontres, des mauvais producteurs. Si tu veux, faire confiance absolue quelqu'un, tu vois. Ça, il faut faire attention. Donc, c'est que tu as eu une expérience. Voilà, une chose négative. Voilà, j'ai dit ça. Voilà, c'était négatif, en même temps positif. Ça. Chouchou, tu vois, l'album Chouchou. Je voulais faire absolument avec un gars de ma communauté africaine ou antillaise. Je l'ai fait. Je me rappelle qu'il y avait un gars métropolitain qui avait une boîte, c'était disquaire à Anvers. Je pense que tu dois connaître, technicien doit connaître. Et je n'ai pas donné l'album. C'est ça que je regrette le plus. Parce que j'ai fait avec un ami ivoirien et il m'a, comme on dit vulgairement, il m'a baisé. D'accord. Et là, c'est le regret. Tu vois, j'aime pas trop parler de ça, tu vois. Mais malheureusement... c'est des expériences positives et négatives qui doivent arriver dans la vie d'un artiste. Heureusement, hein, pour moi, ce titre-là, Chouchou, était un tube. Koulikouk était un tube. Et là... Au départ, il a gagné beaucoup d'argent, il faisait son machin. Donc, et après, c'est vraiment important d'être un peu moins souciant et de faire très attention. Oui, mais je pense,
Parce que j'étais pas entouré, jamais été entouré. Parce que la confiance, moi, je faisais trop confiance aux gens. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça marque un artiste à ne plus faire confiance? Ou au jour d'aujourd'hui, tu t'es entouré de meilleures personnes dans la musique à qui maintenant tu fais peut-être confiance maintenant. Il faut que des gens qu'on apprécie, tu vois. Et toujours garder un petit côté à côté, tu vois. Un côté, moi, je suis, c'est pas que je sois méfiant, mais il faut quand même pas être naïf. Toi, tu as employé un mot tout à l'heure là. Faut pas être naïf, tu vois. Faut écouter des belles paroles, tu vois. Ça, c'est pas bon. Les choses, il y a des actes. Tu me dis, bon, tu joues tel endroit, tu as temps, tu me donnes la moitié avant. Et après, j'arrive avant le jeu, tu me donnes. Là, je te fais confiance. Mmh. Je suis à Sainte-Lucie, voilà, du truc, super, voilà. Je suis à Sainte-Lucie, je suis arrivé, je crois, le vendredi, je devais jouer le samedi. Le vendredi, le gars est venu à l'hôtel, il m'a donné mon argent. Je ne peux pas partir, machin, tu vois. Un exemple, tu vois. Mm-hmm. Mais mon argent, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, ça, c'est côté très positif. Ah oui, ça peut arriver que aussi on ne vous paye pas. Ça m'est arrivé. C'est pourquoi je dis qu'il y a des... Est-ce qu'il ne faudrait pas, au jour d'aujourd'hui, faire signer... Mais si, maintenant, il faut un contrat, c'est tout. Comme ça, parce que moi, je ne suis pas... J'aime pas poursuivre les gens au tribunal, un truc comme ça. Mais si, par exemple, tu es manager... Elle doit s'occuper. Qu'est-ce que toi t'en penses au jour d'aujourd'hui du zouk actuel? Est-ce que tu te qualifierais plutôt dans un zouk original ou dans un zouk moderne actuel? Comment tu qualifies au jour d'aujourd'hui ta musique? Est-ce que tu es un chanteur de zouk? Est-ce que tu es un chanteur de zouk rétro? Quel type de chanteur es-tu? Moi, je pense que il faut toujours garder ses racines pour avancer. C'est-à-dire? Les racines, c'est la musique caribéenne, antillaise, c'est le zouk, c'est un peu à Biggin, c'est un peu aussi là qu'on passe un peu tout ce que tu veux. Mais je défends beaucoup le zouk. Parce que mais comment tu te qualifies au jour d'aujourd'hui? T'es un artiste? Je sais pas, je suis un gars qui fait. Parce que t'as fait un musique t'as caribéenne, un style. Qui fait musique caribéenne, qui fait sa musique, je fais ma musique. Donc on peut pas te qualifier en tant que chanteur de zouk? Est-ce qu'on peut dire que tu es un chanteur? Je sais pas, c'est aux gens de me dire s'ils me considèrent comme ça. Non, mais toi aussi, tu dois savoir en tant qu'artiste comment. Je défends le zouk, mais je ne fais pas uniquement le zouk. Je mélange tout. Je suis un peu. Donc tu es un artiste afro-caribéen. Ta musique est afro-caribéenne. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Et je voulais dire parce que là, parce que leur approche. Parce que je sais que tu mènes bien ton truc, mais je dis que j'ai une manager, si tu veux, et que c'est Sista Even. Génial, un gros big up à elle. On lui dira, on fera un big up. Elle est sur Facebook, alors Sista Even. Voilà. Ok, gros bisous Sista. Voilà. On va écouter Ifei Enlay. Ifei Enlay. Ouais. Et on revient, excuse-moi, j'ai l'accent français. Mais si tu me le écris en créole haïtien, ouais, t'inquiète pas que je saurais bien le dire. Ifei Enlay. Et on revient dans quelques instants. Ouais. À tout de suite, toujours avec Buds. Vous êtes toujours sur Flyweb Tropical. Mes amis, j'ai pas les bananes, mais pas les boulevoyers. Si chien fait pour casser, faut pas aller en l'air. Tout quoi qu'à contrôler, et j'allais dire, c'est leur comprendre que ouah d'entendre. Que n'est longtemps où j'ai un contre-temps. Faut pas prendre pour ranger. Dernière page là ouverte. J'étais en zié, vous fait souffrir. Mais pas encore. Car guide même si vous pas d'accord. Les bananes, mais pas les poules, voyez. Aïe, mi-bap.
talent, quel talent. On sent vraiment l'homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience et l'homme de talent que tu es. Moi, je salue vraiment, vraiment, vraiment ton talent. En tout cas, on sait que tu as fait des collaborations, entre autres, une qui revient à la charge avec l'album Feeling Love de la Gabonaise Angel ACD. Ouais, pour qui tu lui concordes justement trois titres qui retournent le désormais célèbre au nom de la vie. Au nom de la vie, au nom de la vie, qui relance la carrière de l'interprète de manière fulgurante. Donc, comme quoi, il faut croire que tu as de la magie. T'as un truc qui fait que là, t'écoutes. Je te dirais si c'est la magie parce que j'ai en ce moment il y a une chanteuse qui s'appelle Marie Chantal Laurence qui est en Guadeloupe. J'ai fait deux titres pour elle. Elle là, elle est en studio là. Et là, je pense que c'est bien. Elle chante super bien. Ouais. Et là, on verra vraiment si. Donc un artiste peut venir vers toi ou alors faut forcément qu'il y ait un feeling. Est-ce qu'un artiste peut venir vers toi et peut dire Bod, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut qu'il y ait quelque chose parce que j'ai fait ça pour une fille, voilà mon mauvais côté. Et j'ai beaucoup de problèmes, tu vois. Sérieux? Beaucoup de problèmes parce que a tout mélangé, tu vois. Donc je vais même pas parler de ça. C'est pourquoi je dis il faut faire attention quand faut pas mélanger, je sais pas si c'est coco et abricot. On s'est compris. Voilà. T'as compris ce que j'ai voulu dire. Faut pas trop mélanger les choses. Et des fois, faut faire attention parce qu'on se brûle. Non, mais c'est génial que tu aies fait ce titre-là pour être trois titres. Quand on dit que ça s'est connu à l'international, c'est vraiment même au Gabon on connaît. Le Gabon, mais les Gabonaises en plus. Donc c'est... Elle, maintenant, elle s'occupe de la SACEM du Gabon. C'est vrai? Ouais. Donc aujourd'hui, tu vas au Gabon, on connaît Bod. Oui, j'ai des amis là-bas. Des amis là-bas. Je devais jouer au Gabon. Mmh. Et on a attendu les élections. Et comme tu sais, tout ce qui s'est passé. Ah, assez... Politiquement, c'est. Ouais, comme je n'ai pas de politique, c'était assez chaud. Donc j'attends, on verra, j'attendrai le beau jour. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour l'instant dans la musique que tu n'as pas encore fait? Moi, de travailler avec. Moi, j'ai un rêve. Je le dis parce que je sais que. Il ne sera pas copié. Ça pas copié. De faire avec au minimum 6 filles, mais de régions ou de pays différents. D'accord. Africains, caraïbéens, quel pays tout mélangé? Parce que 6, il y a plus de 6 pays. Donc 6, ça va être dur de choisir. Ouais, même chinoise, machin. Ah oui? C'est-à-dire prendre un bout de cette phrase-là de chaque langue? Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais bon, mais chaque. C'est-à-dire qu'un duo avec chaque fille. Mm-hmm. Ça, je vais le faire. Là, je le dis, maintenant, si les gens veulent copier, ils peuvent copier, mais ça, je vais le faire. Ça, c'est dans ma tête, j'ai commencé à travailler là-dessus. Ouais. Ça, c'est mon petit truc, quoi, un petit truc secret. C'est génial. Je le dis, bon, mais c'est pas grave. C'est pas évident. On va écouter Chouchou, qui est aussi un de tes titres. Ah, en fait, c'est ce titre-là qui a fait que Bod Guibert soit connu, en fait. Parce que les gens, je sais pas pour quelle raison les gens ont aimé ce titre-là, mais c'est pas ce titre que j'ai aimé sur l'album. Le plus, c'était Jama, parce que je suis un gars qui aime bouger. Et les gens ont aimé Chouchou. Mmh. Voilà, bon, on va écouter Chouchou. Ouais. Et nous revenons dans quelques instants, toujours sur Flyway Tropical, avec Bod. A tout de suite.
Les garçons pour pas trop brancher, et les femmes pour pas je savais. Il suffit de un faux contact, d'en garder toute ligne embrouillée. Les garçons ou amoureux, en qui est là, on met des collants. Les garçons ou cas mépris, en qui est là, on met des collants. Les garçons ou amoureux, en qui est là, on met des collants. Les garçons ou cas Tout ça. Tu fais de la scène aussi, non? La scène? Ouais. Avant, j'ai commencé par ça, faire la scène. Mm-hmm. Donc ça me manque. C'est quoi maintenant? Je suis prêt pour faire des galas, des trucs comme ça. C'est ça qui me manque. Mais l'équipe est déjà là. Toute l'équipe est déjà là pour faire de la scène. Oui, avec toute ton équipe de musiciens. En fait, c'est Boston et toute la bande qui joue avec Jacob, tout ça. Ah oui, c'est eux qui t'accompagnent. C'est eux qui vont m'accompagner. C'est génial. Donc, quelle que soit la scène, en tout cas, t'accompagnes. Quelle que soit la scène, parce que là, ce sera payante, scène payante. Donc, est-ce que tu as des projets, à part justement ce... C'est ça mon projet. C'est ce rêve-là, le rêve que tu as parlé, mais... qui est sympa. Est-ce que tu as des projets artistiques, des rendez-vous, de la scène prochainement, où tu pourrais tenir peut-être tes auditeurs en haleine? En ce moment, on est en train de faire un travail. C'est pourquoi je dis que... je viens de signer avec manager, mm-hmm. ma manager. Sista Evans, oui. Sista Evans. On est en train de placer des choses, de faire le travail. Donc, je donne un peu de temps et après, ça va démarrer. Ça va démarrer. Mm-hmm. Ouais, voilà. Donc, il faut toujours faire un enfant, il faut attendre. Tu comprends? Donc, après, il faut attendre un bout de temps. Pas trop longtemps, parce que je ne veux pas attendre trop longtemps. D'accord. Donc, ton album, là, il se compose de tous ces titres-là, là, qu'on vient d'écouter. Ben oui, déjà, oui. Non, il n'y a pas Chouchou là-dessus. Il n'y a pas Chouchou, Chouchou, c'est... Il n'y a pas Djama, il n'y a pas Chouchou. Donc, tu les as pas mis sur cette compilation? Non. Mais par contre, pour te faire plaisir, Chouchou, je vais reprendre un compas. Ah, génial. Tu vois? Mais toi, je peux te donner le droit de faire du compas, parce que tu sais, tout le monde sait que je suis frileuse avec le compas. Mais toi, tu as le droit de faire du compas. Donc, parce je vais le faire, mais si oui, tu oui, veux, oui, oui, je te mettrai même là en train de gérer. Comme ça, je n'ai pas de problème. Okay? Comme ça, quand tu passes dans mon émission, tu n'auras pas de fessée. Voilà. Oui, c'est vrai que je suis très, très, très frileuse avec le compas. Ouais. Et je peux te dire, je suis plus que frileuse. Hein. Je suis c'est même que... limite très dure. C'est pour ça qu'il y a des amis qui me disent... il faut prendre un entier pour faire guitare compas. Je dis non. Non. Je dis non. Quand tu prends un africain, prendre un entier pour faire la guitare africaine. Je dis non. Non, mais après, ça dépend parce que t'en as qui sont très bons. Non, mais quand tu veux là, t'en as qui sont très bons. C'est pas forcément un gars qui est meilleur que l'autre. Regarde, qu'est-ce qu'a fait du compas avec la chanteuse il n'y a pas longtemps là. Tu l'as viré. Méni. Je connais pas. Méni, qu'il a reçu Francis. Excuse-moi, Méni, c'est lui qui a fait l'arrangement du titre de Sabrina Lia. Ah. S'il y a du compas. Ouais, c'est bien. Mais putain, mais arrête. Voilà. Et pourtant, Méni, ce que je sache, il n'est pas haïtien. Il n'est pas haïtien. Donc c'est pour te dire, t'en as des programmateurs et des arrangeurs. Punaise, ils ont du talent. Il faut prendre des gens qui savent le faire. C'est pour tout. Eh oui, c'est pour tout. En tout cas, où est-ce qu'on peut retrouver tes titres? Eh bien, je sais, mais je l'ai mis sur les. Plateforme téléchargement. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas ce déclic d'aller acheter. Il y en a qui le font, mais c'est compliqué. Je sais pas. J'ai l'impression que nous, on. C'est difficile, c'est difficile, d'aller là-dessus. C'est ça que c'est terrible. Hein. Ouais. On a tellement l'habitude d'avoir un truc physique, tu vois. Ouais. On aime toucher. Être à l'aise. C'est comme si on touchait l'artiste. Mm. Je peux comprendre ça. Tu veux dire que c'est plus difficile à se vendre maintenant qu'avant, auparavant? C'est difficile. Alors là, quand tu fais un album... D'où pourquoi tu as pris une manager maintenant, je suppose, elle va faire le travail. Parce que moi, comme j'ai envie de faire du live, ce que je faisais avant, et c'est que là, tu peux gagner de l'argent et vendre tes albums. D'accord, donc elle pourra t'aider. C'est bien pour ça. Donc, site de téléchargement, est-ce qu'il y a un CD à acheter? Bien sûr, il y a d'autres CD, il y a celui-là qui est le dernier. Donc ils te contactent sur Facebook alors du coup s'ils veulent l'acheter. Contact sur Facebook. Auquel nom? S'ils veulent l'acheter. Auquel nom? Bod. Bod Guibert, c'est Zouklib. Zouklib. Bod Zouklib. Zouklib, L-I-B. Zouklib sur Facebook et on te trouve. On me trouve, mais oui. Bah c'est génial. Mais oui. Alors. Je te remercie d'être venu me voir. Alors petit coucou à ma Chantal qui est en Guadeloupe là que.
devait écouter, devait regarder sur Facebook, mais comme Facebook ne fonctionne pas, alors je dis que je fais un petit coucou, je dis de faire très très vite pour venir avec cette musique qu'on a concoctée. Chikungunya qu'on va écouter. Ouais. Faut pas qu'elle soit jalouse. Elle est là, elle s'occupe de moi. J'espère qu'elle va bien s'occuper de moi. Et puis si on veut d'elle sur Facebook, Sista Evans. D'accord, ben ouais. Écoute, on va écouter Chikungunya qui est un de tes titres phares. Puis, hein. Et puis elle est mère, donc c'est pour elle, parce qu'elle aime, ce morceau Chikungunya. C'est pour toi, Sista. D'accord, Evans. Sista. Ben écoute, ouais. Reste bien online, Sista, on va écouter Chikungunya. Je remercie tous les auditeurs de Flyweb Tropica de nous avoir suivis sur mon émission quotidienne, comme chaque mercredi, 17h-19h, Campé Afro-Caraïbes. Nous sommes avec Bod, nous allons écouter son dernier titre, donc qui est Chikungunya. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Excusez-nous pour le Facebook Live, apparemment, Facebook a un problème général, donc ouais. Ça, indépendamment de notre volonté. Et nous nous excusons pour Marius Denon, qui a eu un petit problème, visiblement. Il est déjà parti, mais il n'est pas encore arrivé, donc nous nous refixerons un rendez-vous avec lui. Voilà, excellente soirée, à la semaine prochaine, 17h-19h. Bisous. Et puis merci aux techniciens. Au revoir, au revoir tout le monde, au revoir, Bud. Chikungunya. Yes, Chikungunya. Saloperie. Sa rive ou pa ka manje, ou ralenti ou ka mache, abati pa ou ka avanse, ki maladi ou ni. On nou di mwen ki sa y passe, de bien dou gout kon la pa bon, ou nou doule ou pa ka bouje, men ki piche ou. Person pa le konpran, ke ti beta la dangere, tou pa tou y passe. Il y a des cissés. Il y a des cissés. Il y a des cissés.